La paix soit avec vous. Donc, dans la précédente audio, j'ai traité en deux parties du phénomène marxiste, de sa théorie au niveau économique, et de quelques petites analyses sans prétention sur son devenir. Je ne peux parler du marxisme sans traiter, bien entendu, également du capitalisme qui aujourd'hui a triomphé. N'ont pas peur de le dire. Et donc, pour parler du capitalisme, il faut bien entendu que j'explique un petit peu d'où vient cette conception, puisqu'elle s'articule sur deux éléments. Hein. Donc, premièrement, le capitalisme en tant que tel, qui est la propriété privée des moyens de production, je dirais à titre préhistorique. Et la deuxième articulation que constitue le libéralisme. Alors, bien entendu, le libéralisme est une doctrine et le capitalisme est je dirais, un système économique. Et donc, les deux s'articulent. C'est pour ça que souvent les gens confondent libéralisme et capitalisme. Alors, pour ce qu'il en est du capitalisme, pour faire simple et rapide, je dirais c'est avec la révolution industrielle hein, qui touche peu à peu, je dirais, les pays européens au cours du 19e siècle que prend naissance d'une façon réelle et sérieuse le système capitaliste. Alors, le capitalisme a deux, je dirais, deux aspects de fondamentaux, je dirais de très fondamentaux qui le caractérisent. Premièrement, la propriété des moyens de production et l'accumulation du capital grâce aux profits réalisés. Pour ce qu'il en est de la propriété privée des moyens de production. Parce que les gens aujourd'hui n'arrivent pas tellement à déterminer ce que peut être le capitalisme. Ils en voient une esquisse un peu paranoïaque. Qui existe aussi, hein, le capitalisme spéculatif, financiarisé, qui est une atrophie, à mon sens, du capitalisme, ou un excès, qui malheureusement aujourd'hui est source de référence. Donc je tiens à remettre les pendules à l'heure. Donc pour ce qu'il en est du système capitaliste, hein, on parle bien de la liberté de propriété individuelle, qui, je dirais, est le grand principe du capitalisme. Elle justifie le droit de propriété sur les moyens de production. Ainsi, par exemple, les terres, les machines, soit la plus grande partie des biens de production, sont détenus par des personnes privées, ou plus exactement réunies en société. La liberté de propriété s'accompagne des droits suivants. Ça, c'est fondamental pour bien comprendre. Droit de gérer, donc d'exploiter ses biens. Droit de les vendre également, droit de recevoir des revenus, donc d'en tirer profit, et qui sont finalement au fond liés à la jouissance de cette propriété. Ça, c'est pour ce que j'appelle l'aspect positif. Nous avons également, après la propriété privée des moyens de production, le profit et accumulation du capital. Alors, je m'explique. Je dirais que la prédominance de la propriété privée dans un système économique n'est pas suffisante pour le qualifier de capitaliste. C'est pour ça que c'est très subtil. Et c'est une des raisons pourquoi je dis, attention, il y a des capitalismes. Pas un seul capitaliste. Un seul capitalisme, pardon. À l'identique de son alter ego que peut être le marxisme. Il n'y a pas qu'un seul marxisme, il y a des marxismes. Alors, je dirais que l'existence de relations marchandes, toujours dans le sujet du capitalisme bien entendu, des relations marchandes ne peut pas être le caractère fondamental du capitalisme, et le fait que la plupart des objets produits soient destinés à devenir des marchandises, et que, je dirais, la production soit orientée non pas vers la consommation directe, ce qu'on appelle entre guillemets l'autoconsommation, mais vers la vente des marchés définis seulement par une économie, je dirais, économie marchande, ce qui plus tard va amener à ce qu'on appelle
d'une façon peut-être un peu plus vulgarisante, l'économie de marché. Bon, ceci étant dit, par ailleurs, je dirais que le profit et la recherche du profit ne sont pas des traits spécifiques du capitalisme, puisqu'ils ont de tout temps existé, hein, même avant le capitalisme. Alors, certains se mettent à essayer d'interpréter les actes de commerce, même au niveau antique, comme des actes menant à une certaine forme de capitalisme. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces analyses-là, ce n'est pas le lieu et le moment. Alors, ce qui fait l'originalité absolue du système capitaliste, c'est l'accumulation du capital. Grâce au profit, il faut bien préciser de quoi s'agit-il. Donc, je dirais qu'à la différence d'une organisation de la vie économique dominée par l'artisanat, le capitalisme implique que la plus grande part des profits ne soit pas consommée, c'est-à-dire dépensée par les propriétaires de moyens de production, sous forme d'achats de biens de consommation destinés à leur usage personnel, mais bel et bien épargnée et réinvestie dans l'entreprise afin de permettre l'accroissement des moyens de production. Ainsi, je dirais que les entreprises utilisent d'abord leurs bénéfices pour se développer en augmentant la quantité des moyens de production. Bien entendu, la recherche du profit est donc placée sous le signe de l'accumulation du capital, c'est-à-dire, je dirais, un processus de constitution du capital technique, réalisé sous les deux formes que sont, premièrement, l'investissement net, ce qu'on peut qualifier par la création d'équipements supplémentaires, et l'amortissement, qu'on peut déterminer par le remplacement des équipements usés ou obsolètes. Sur cela aussi, il y aurait tant à dire. Bref, je considère que le capitalisme correspond ainsi, d'une manière inexorable, à la recherche permanente de profits afin d'accumuler indéfiniment des capitaux. En cela, il est inséparable des moyens modernes d'organisation de la production. Le capitalisme, je dirais, prend appui d'une façon contemporaine sur le développement des formes de rationalisation du travail et de la production, bien entendu, et la recherche de la productivité maximale est ainsi à l'origine une véritable organisation du travail, ce qu'on appelle également la division du travail. Je vous renvoie à Adam Smith et à Ricardo concernant justement cette fameuse division du travail. Alors, au début, cette division du travail était d'une façon locale, nationale, européenne, et aujourd'hui, elle est échelonnée au niveau mondial. Ce qui, bien entendu, présente d'autres défis, puisque d'autres problématiques. Donc, on peut considérer que cette évolution donne ce que j'appelle des structures productives de ce qu'on pourrait déterminer comme étant la fabrique du développement de la concentration des entreprises. Alors, comment pouvons-nous appréhender finalement au fond cette évolution? Certains historiens, par exemple, je dirais, décèlent l'existence d'un capitalisme entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Il s'agit alors, certains appellent un capitalisme primitif ou un capitalisme commercial, fondé sur, je dirais, le grand négoce maritime et colonial. Cependant, je voudrais préciser que c'est véritablement la révolution industrielle du XIXe siècle qui marque les débuts du système capitaliste. Pour du moins, je dirais, pour ce qu'il en est de la France. Bien entendu, n'omettons pas la suppression des contraintes réglementaires touchant l'activité économique, qui a été une étape, je dirais, essentielle, voire importante, du développement du capitalisme. On peut dire que les nombreuses crises de surproduction dans la deuxième moitié du XIXe siècle ont conduit les pays européens à rechercher des débouchés nouveaux. Rappelez-vous toujours cette politique de défi, de réactualisation par rapport à des nouvelles évolutions. Alors, cette domination des pays capitalistes par la colonisation était qualifiée d'impérialisme, ou de ce qu'on peut qualifier également en économie l'impérialisme organisateur. Donc, cette qualification est aussi un dénominateur commun pour les marxistes, plus particulièrement Lénine, qui a apporté au marxisme ce qu'on appelle
sa colonne vertébrale étatique. Je vous invite à lire l'État de la Révolution de Lénine, qui vous donnera un petit peu un aperçu sur ce qu'on peut qualifier de l'étatisation marxiste dans une nouvelle organisation. Puisque même Lénine lui-même disait le statut suprême du capitalisme, c'est l'impérialisme. Bon. Ceci étant, je ne vais pas m'éterniser, je ne vais pas faire une analyse sur les œuvres de Lénine. Ce n'est pas le moment. Donc, comme je disais que Lénine qualifiait le stade suprême du capitalisme comme étant l'impérialisme, on peut considérer que ça ne se caractérise pas seulement une politique extérieure de puissance, mais bien, je dirais bel et bien, une domination économique des colonies et des partages du monde sous l'égide des grands groupes financiers. Donc, en définitive, pour ne pas aller trop loin, car je suis à 11 minutes, me semble-t-il, ce sont des sujets qui sont tellement techniques qu'il faut je dirais, les résumer afin qu'elles puissent être audibles auprès de tout un chacun. Donc, en définitive, le capitalisme du 19e siècle, je dirais, est davantage un capitalisme sauvage qu'un capitalisme libéral. Comme le montre par exemple le maintien du protectionnisme, des politiques de colonisation et de multiplication des ententes. Le capitalisme est alors, je dirais, indifféremment libre-échangiste ou protectionniste selon son intérêt. N'oublions pas que les États-Unis ont une politique antitrust. Donc, vous voyez qu'il y a différentes formes de capitalisme. Alors, capitalisme et libéralisme ne coïncident pas toujours, c'est ce que je voulais préciser là-dessus. Le développement du capitalisme interventionniste en est au XXe siècle, je dirais, une illustration probante. Ce qui est le cas, par exemple, maintenant j'en ai fini avec une petite explication succincte du capitalisme, je voudrais traiter d'une façon rapide également le libéralisme qui est une autre doctrine. Alors, bien entendu, elle s'articule aujourd'hui avec le capitalisme, mais on peut être capitaliste et non libéral, et on peut être libéral et non capitaliste. La nuance est là. Donc, comme je le précisais, le libéralisme est une doctrine qui affirme, je dirais, le caractère fondamental de la liberté individuelle. Or, je vais vous donner un exemple, certains anarchistes peuvent être des libéraux, car ils auront effectivement, je dirais, les mêmes ressemblances que certains capitalistes, comme par exemple la détestation de l'État, la liberté absolue, mais ce n'est pas pour autant qu'ils seront d'accord avec les lois du marché. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Maintenant, le libéralisme, dans ce qu'on appelle son aspect fondamental, est avant tout, et ça faut bien le comprendre, la liberté individuelle dans les domaines économiques et politiques. Elle repose, je dirais, sur la volonté de limiter, voire de faire disparaître l'action de l'État. Ce qui est assez, je dirais, similaire à la pensée anarchiste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des anarcho-libéraux ou nous avons des anarcho-capitalistes. Vous voyez que les choses sont amplement plus complexes. Alors, pour parler des différents libéralismes, comment pouvons-nous qualifier ces principes ou déjà présenter, je dirais, son origine? On peut considérer que selon tous les historiens et les spécialistes, le libéralisme serait né aux alentours du XVIIIe siècle en réaction à l'absolutisme, je dirais, royal de l'époque. Donc il s'aventure et s'érige en principe fondamental de la liberté individuelle, c'est-à-dire l'autonomie et la libre initiative des individus dans l'organisation de leur existence. Ce qui peut être aussi une certaine forme d'autogestion. Vous voyez, on peut arriver facilement à la pensée anarchiste. Maintenant, dans cette libre initiative des individus, aussi bien dans leur organisation, dans leur vie, libres et responsables, ceux-ci doivent décider d'eux-mêmes de leurs actions. Ça, c'est un aspect fondamental. Alors, ce principe en implique aussi, je dirais,
d'une façon automatique un autre, qui est la limitation du pouvoir politique, quel qu'il soit. On distingue alors deux grandes traditions libérales pour garantir, je dirais, cette limitation, voire même cette disparité à long terme. Pour la première, je dirais, seule la règle peut limiter le pouvoir. Donc on définit au départ des domaines où l'État ne doit pas intervenir. Nous avons l'exemple de Montesquieu, qui définit justement est inséparable de la seconde, puisque je dirais, selon lui, la tradition pour laquelle seul le pouvoir arrête le pouvoir, il est donc nécessaire dans ce cas de diviser le pouvoir et de le répartir afin que plusieurs pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires par exemple, s'opposant entre eux, aucun ne puisse dominer absolument, ou de prendre, je dirais, l'ascendance sur l'autre. L'affirmation de la liberté des individus et la nécessité de limiter le pouvoir étatique laissant cependant sans réponse des questions essentielles. Comment éviter que la liberté permette au plus fort de dominer, ce que certains pourront appeler ce qui est liberticide? Ou effectivement, comment harmoniser les différentes actions des individus et éloigner le spectre d'une loi jungle, alors que chacun est libre d'agir à sa guise? Comment déterminer que ce ne soit pas la raison du plus fort et finalement, au fond, trahir par-delà l'idée en revenant à des structures plus primitives? Alors, il faut bien aussi également faire le distinguo entre le libéralisme économique et le libéralisme politique, qui apportent, je dirais, leur lot de réponses différentes à ces questions. Pour faire rapide, le libéralisme politique repose sur l'égalité civile des individus, qui se transforme alors en citoyens, donc la liberté d'opinion, de réunion, d'information, la liberté de, je dirais, de se regrouper en association ou en parti politique, représentent les libertés publiques sur lesquelles repose le libéralisme politique. Le cœur du libéralisme politique reste toutefois le libre choix des gouvernants. Il est donc inséparable de l'existence d'élections, ce qu'on peut appeler aujourd'hui une certaine forme de démocratie. Les lois, bien entendu, réglant la vie sociale, sont donc le résultat de la volonté des citoyens. Maintenant, le libéralisme économique offre une vision très différente à partir du moment où un certain nombre de libertés sont assurées et respectées. Ce qu'on qualifierait par la liberté de la propriété privée, libre concurrence, la liberté du travail. Donc il suffit que chacun poursuive son activité pour que se réalise, entre guillemets, d'une façon théorique, bien entendu, l'harmonie sociale. Le libéralisme économique fonde alors cette conviction sur un ordre naturel et spontané dans les bienfaits d'un mécanisme de régulation unique. C'est en cela que cela rejoint l'analyse marxiste. Le marché, par exemple, est un processus d'ajustement entre les actions économiques des individus. L'échange est avantageux pour tous les participants, de l'intérêt bien entendu du commun au général, qui n'est que finalement au fond la somme des intérêts particuliers des uns et des autres, ce que Adam Smith a appelé en son temps la fameuse main invisible. Donc le marché apparaît en définitive comme le seul moyen de concilier l'autonomie individuelle et un minimum d'ordre et de contraintes sociales. Dans la réalité, bien entendu, le libéralisme économique et le libéralisme politique ne coïncident, je dirais, pas toujours. De nombreuses dictatures politiques mettent en œuvre les principes de l'économie libérale. À l'inverse, de nombreux pays politiquement libéraux refusent de s'en remettre entièrement à ces principes économiques. Donc, quelques noms importants à retenir concernant les pères fondateurs, je dirais, du libéralisme. Donc, nous avons bien entendu Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, Jean-Baptiste Say et John Stuart Mill, qui
sont aussi importants car ils sont considérés comme des théoriciens du libéralisme économique que je vous invite à lire. C'est très important, très, très instructif en plus. Donc, conformément, je dirais, à la double tradition libérale, les économistes se réclamant du libéralisme économique ne sont pas d'accord entre eux sur la façon de limiter l'action politique et de l'État. Pour certains, l'État ne doit pas intervenir dans la vie économique car il perturberait, je dirais, les mécanismes, voire les rouages du marché, et détruirait par voie de conséquence l'allocation optimale des ressources qu'il assure. D'autres, au contraire, pensent qu'il n'est pas possible d'émettre une telle interdiction en général, car l'État est obligé d'intervenir, hein, situation bien entendu où le marché serait défaillant ou incontrôlable, voire même impuissant pour les biens collectifs et les effets externes, par exemple. Alors, dès lors, il est préférable de se limiter son action en favorisant, je dirais, l'émergence d'un contre-pouvoir efficace, groupe de pression, syndicats, mouvements, consommateurs, enfin. La liste serait longue et fastidieuse. Voilà, donc j'ai un peu planté le décor entre des analyses marxistes et puis le capitalisme et le libéralisme. Dans d'autres chroniques, j'interviendrai pour faire des analyses assez rapides sur Lénine, ce qui vous permettra d'avoir une vue d'ensemble et ensuite faire bien entendu vos propres recherches. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine chronique.